ailleurs, les communautés humaines font preuve de force et de résilience. Et ça a été le cas, peut-être plus encore que pour d'autres communautés ici à Shanghai, de la communauté française, ici représentée par vous toutes et tous, et notamment par ces forces vives, les conseillers des Français et l'étranger, les associations françaises et francophones qui sont nombreuses là ce soir, la Chambre de commerce et d'industrie, les îlotiers, qui étaient peut-être un réseau assez méconnu jusqu'à il y a un peu, mais qui en fait s'est révélé être vraiment un élément incontournable de notre présence et de notre solidarité ici, et beaucoup d'autres encore, qui ont toutes et tous œuvré chaque jour et parfois aussi chaque nuit pour venir en aide à nos compatriotes dans des situations souvent vraiment très très difficiles. Et cette réaction, je dirais, très solidaire, très forte de la communauté française, a été vraiment exemplaire. Elle a forcé le respect, je pense, ici en Chine, et aussi à l'étranger, et aussi à Paris, nos autorités. Et à vrai dire, peut-être que vous avez toutes et tous croisé aussi d'autres étrangers de Shanghai qui parfois vous ont fait part un peu de leur respect, ou même de leur envie de pouvoir avoir le même niveau de solidarité, d'entraide, et peut-être de service aussi, de protection consulaire. Et ça a été vraiment un élément très fort, un bilan, je crois, dont on peut tous être très fiers. Et c'est celui de cette belle équipe de France ici, de Shanghai, bien représentée ce soir, et de toute l'action des associations. C'est aussi peut-être le bilan d'un modèle de protection consulaire que les agents aussi du consulat de France ici, représentés par Julie Poignant et son équipe, qui n'ont pas non plus compté leurs heures pendant ces moments difficiles au service des Français. Modèle consulaire qui est précieux, qui dépend aussi du moyen de Marianne. Figure bienveillante et bien sûr symbole de notre République. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le consul. Alors, donc, monsieur le consul, madame la chef de chancellerie qui est présente ici, mesdames et messieurs les membres actifs de nos associations et de nos institutions à Shanghai, mesdames et messieurs les présidents de ces associations et tous les amis qui ont pu nous rendre disponibles ce soir, merci à tous d'être là. Je suis en profité pour remercier également les sponsors qui ont sponsorisé cette soirée, Bluebi et Expatrio, qui sont aussi présents dans la salle, Senti, n'aurions pas pu profiter de cette personne dans un même environnement. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur les événements qui ont pu toucher la communauté française et sa région depuis fin 2019. Comme vous l'avez dit, en Chine, on a tendance à vouloir aller de l'avant, c'est un peu vrai aussi. Mais je vais juste rappeler qu'aujourd'hui, faire le choix d'être présent dans ce pays, en Chine, d'y vivre, et faire aussi que la France en Chine rayonne, aujourd'hui, c'est un choix, si ça l'a jamais été, c'est un choix qui ne se prend pas à la légère, qui demande des efforts constants à tous les membres de la communauté qui sont présents ici. Malgré une baisse temporaire de notre nombre, notre communauté est toujours présente et active, et nous avons fait preuve d'un esprit de cohésion remarquable qui nous a permis de nous entraider et de tenir bon. En fait, comme vous l'avez rappelé, nous avons même été parfois salués comme un modèle en matière de partage d'informations. C'est vrai que les postes diplomatiques ont joué un rôle très important également là-dedans. Je voulais seulement dire que, en étant à 10 000 km de la France et quand on vit des moments difficiles, on a des gens ordinaires qui deviennent des gens extraordinaires. Et ça, mais vraiment, c'est pas dans un film, c'est pas de la science-fiction, c'est réel. Il y a des gens qui sont parmi nous ou d'autres qui ne sont pas là. Et je suis très ému d'être ce soir parmi vous, parce que c'est important aussi de marquer l'exemplarité pour donner aussi envie aux gens de dire vous aussi, par vos actes, mais des petits actes, vous pouvez faire des choses pour la collectivité. En commençant par l'association ADFE Français du Monde et qui s'arrondit par le sponsor Bluebi. Oui, bonsoir. Donc, je suis très fière de pouvoir recevoir cette hommage au travail et au réseau social qu'a pu constituer notre association et sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour faire les groupes d'entraide hein, qui visiblement ont servi quand même à pas mal de personnes pour pouvoir survivre à cette période. Donc mon idée de départ c'était d'avoir des groupes de WeChat hein,
qui puisse aider chacun et chacune à trouver et à recevoir ce qu'ils avaient besoin, dont ils avaient besoin lors de cette période qui a été très difficile. J'ai eu la chance de vivre dans un building repli chinois qui ont fait ça très rapidement et qui m'ont montré la voie que c'était possible de recevoir de la nourriture, de recevoir des choses comme des couches culottes pour les enfants, des médicaments, de trouver tout ça. Donc voilà, j'ai pu partager ça avec la communauté française. Et puis voilà, donc je suis très émue aujourd'hui que ça puisse être avoir été partagé par tout le monde. Bravo. Par ordre alphabétique, donc les agents du consulat général qui ouvraient pendant le Covid. Un conseiller des Français d'étrangers, monsieur le consul général, chers partenaires et alliés lors de cette bataille inimaginable, je suis très honorée aujourd'hui, avec une partie de mon équipe du service des Français, de recevoir ce prix. Voilà, donc, ces agents. Qui est en fait constitué d'une équipe très diverse, avec des agents, pour certains diplomates de carrière, pour d'autres des agents de droit local, pour d'autres, pour certains de nationalité française, d'autres de nationalité chinoise. Et vous imaginez ce que ça représente de s'engager aux côtés du consulat général de France lorsque l'on est titulaire de la nationalité du pays hôte, qui se sont engagés pour la communauté française et qui n'ont pas compté leurs heures pendant 2 mois. Finalement, les 4 jours de confinement se sont avérés un petit peu longs. Qui ont travaillé 7 jours sur 7, à des heures inimaginables, puisque l'heure de prédilection d'envoi vers des centres de confinement, c'était 23h minuit. Donc les gens nous appelaient en panique et on essayait d'empêcher certains transferts. Le bilan est extrêmement positif, puisque nous avons accompagné 179 familles françaises. Pour aucune de ces familles, les enfants n'ont été séparés des parents. Et c'est une exception. Nous avons veillé sur les Français qui avaient besoin d'accéder à des soins médicaux urgents. Et nous en avons accompagné quelques-uns, des situations parfois dramatiques. Je salue le travail du docteur Mata Mousseau, qui était à ce moment-là notre médecin référent, et qui nous a bien appuyés, qui nous a permis de débloquer des situations vraiment critiques. Voilà, qu'il soit remercié également. Enfin, je salue le travail volontaire, bénévole, admirable des îlotiers qui ont joué un rôle central dans l'action qu'a menée le consulat. Autant d'hommes et de femmes qui sont engagés volontairement à nos côtés. Nous sommes également extrêmement reconnaissants pour le travail qu'ils ont accompli. Monsieur Caraliou, votre Marianne, votre très belle Marianne, nous avons la conservée précieusement au sein de notre service. Nous la contemplerons telle un totem qui nous rappellera le grand honneur et le bonheur qu'est notre travail, servir la communauté française au quotidien et veiller sur elle. Voilà. Je vais vous faire un bisou. Bravo! Ça a un plaisir de vous. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Conseil Général, chers représentants des différentes associations, je suis très honoré de recevoir cette Marianne de la part des conseillers des Français d'étrangers.
Je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, et on en parlait tout à l'heure avec Guillaume. Je pense qu'aujourd'hui, là, tous ensemble, on est vraiment un bel exemple de solidarité et d'union des différentes forces qui existent ici à Shanghai et des différentes associations. Et nous, la Chambre, même si on représente plutôt la communauté d'affaires, on a ces dernières années, ces derniers mois, fait ce qu'on a pu pour aider et accompagner la communauté française à travers différentes actions, comme les différentes réunions d'information qu'on a pu organiser à distance en format webinaire pour l'ensemble des Français et de la communauté pour qu'ils puissent avoir un relais d'information de ce qui se passait et essayer d'avoir un peu d'informations sur leur avenir. Bien entendu, les actions de charters, les différents charters, on en a organisé trois avec l'appui notamment de l'ambassade de France, bien sûr aussi du consulat sur ces deux dernières années. Mais aussi, je n'oublie pas les différentes actions qu'on a aussi entrepris avec les différentes associations, en collaboration aussi avec les conseillers. Les conseillers qu'on a ici, les consulaires ici présents, notamment sur l'initiative de Benjamin avec la collègue des recensements des besoins l'année dernière, que ce soit alimentaire mais, ou tout autre besoin pour vraiment aider ceux qui en avaient le plus besoin à ce moment-là. Donc vraiment, encore une fois, un grand merci à vous pour l'organisation de cette soirée. Et je suis sûr que nous allons continuer encore à faire de belles choses ensemble. Merci beaucoup. Nous sommes 20 personnes derrière le Shanghai Easy Club. Il y a peut-être une trentaine de Rotary Clubs à travers la Chine. Nous, nous sommes un club francophone. Et bon, on peut dédier ce prix à tous les anonymes qui ont ouvré. Et merci à tous, à toute cette solidarité. Et voilà, toutes les histoires que j'ai entendues aujourd'hui, mais aussi les semaines précédentes, les mois précédents, c'est très émouvant. Et encore merci Monsieur le Consul, merci Guillaume, Romain, Benoît Lacoté qui nous parle avec nous et à cette aussi magnifique sculpture. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Alors nous avons une équipe très féminine, comme quoi les femmes sont aussi à l'honneur de la communauté française. Je tenais à le citer. C'est vrai que cette période de Covid a été très compliquée pour la plupart d'entre nous. Tous ensemble, on a vraiment apprécié de participer à cet élan communautaire pour aider les gens qui vivent dans le besoin. Moi personnellement, j'ai eu une chance extraordinaire de me retrouver dans un convent avec une communauté chinoise et un staff qui était vraiment très compréhensif. Malheureusement, lors de l'enquête, justement, quand on appelait des personnes en détresse, on s'est aperçu qu'il y avait quand même énormément de monde qui n'avaient pas eu cette chance. Il y avait quand même des gens qui avaient des problèmes d'alimentation, des problèmes de soins, des problèmes psychologiques, des problèmes financiers. Et les trois, parce que Laurence n'était pas là à ce moment, toutes les trois, on a vraiment, et plus d'autres personnes qui nous ont quitté déjà, on a vraiment été très contents de participer à ce support de la communauté française. Je tiens à remercier particulièrement également les îlotiers, la CCI, qui nous ont énormément aidés durant toute cette période, et évidemment tous nos conseillers et le consulat. Merci encore.
pendant cette période. Et notre association Shanghai Accueil a vraiment toute sa place dans justement ce genre d'aide et d'entraide dans la communauté. Merci à tout le monde, à toutes les nouvelles. Dose de misère Covid et la Chine n'y a pas échappé avec un long décalage dans le temps. Malgré la vague que nous avons connue en décembre en Chine et dans laquelle nous nous sommes jetés avec une résignation rédemptrice, le bilan en décès devrait être proportionnellement trois fois inférieur à celui des USA. Ce chemin singulier que la Chine a emprunté s'explique par la rusticité, l'ancestralité, en même temps que la modernité, l'immensité, la supériorité des moyens digitaux, la résilience et la discipline de ce pays. Cette voie a affecté dès mars 2020 les communautés expatriées de Chine qui voulaient voyager, qui voulaient faire des affaires, et parmi elles, les Français, avec une connectivité aérienne particulièrement dégradée par rapport aux autres grands pays, plus les travaux de balle, pour diverses raisons que j'ai expliquées à longueur de postes et d'articles dans le Petit Journal, dont je voudrais remercier aussi l'équipe en remote pour le soin apporté à la publication des 30 articles produits depuis janvier 2021. Donc oui, nous, on a commencé avant ce chemin. Et notre travail quotidien a démarré fin janvier 2020 sur l'initiative du pôle santé de l'UFE Shanghai, afin d'aider la communauté à forger sa résilience face au tourbillon. Ce projet est devenu une tâche titanesque qui a mobilisé tout mon temps en crescendo des variants. Ma famille peut en témoigner. Et aussi l'UFE Shanghai, que je remercie de tout son soutien tout au long du chemin. Malgré la surcharge de travail, nous avons poursuivi le projet jusqu'au bout, conscients avec l'équipe de bénévoles passées, présentes, certains sont là ce soir, d'autres ne sont pas de Shanghai, qui m'a permis de tenir bon. Nous étions conscients que nous construisions une expertise unique au monde sur un fait majeur. Nous avons gardé néanmoins l'esprit d'origine, c'est-à-dire des analyses inédites partagées gratuitement pour vous permettre à tous de mieux comprendre ce qui nous effrayait. Et d'avoir ainsi l'occasion de remercier les différentes associations, surtout leurs bénévoles, ainsi que M. le Consul et ses équipes. Lors de la fermeture des frontières en 2020, de nombreuses familles ont été bloquées hors de Chine. Nous avions dès lors recensé ces personnes et avions essayé de trouver des solutions auprès des ministères, députés et consulats. Dans un même temps, des groupes de soutien WeChat ont vu le jour. Aussi, je tiens à citer les admins, des groupes tels que Ça s'en va et ça revient, Retour à Shanghai, Isabelle Giraud et Mathieu Lecoq, qui ont aussi œuvré à titre personnel pour accompagner les personnes qui tentaient de revenir. Lors de confinement strict, lorsqu'Alexandra Tourlin, conseillère consulaire, nous a proposé d'unir nos forces afin de venir en aide à la communauté, c'est sans réfléchir que nous avons accepté. Grâce au questionnaire mis en ligne par la CCILC, nous avons pu déterminer les besoins de nos compatriotes. Tous les bénévoles de Solidarité Shanghai, même les anciens, ont été volontaires et impliqués dans toutes les situations que nous traitons, comme dans toutes les situations que nous traitons. Mais dans ce cas-là, il fallait aussi vivre le confinement de manière personnelle, et c'était un peu plus compliqué, mais elles ont assuré comme elles le font toujours. En tant que présidente, je suis fière de l'engagement de mon équipe, prête à apporter son soutien en toutes circonstances, et surtout, je tiens à remercier Gwenola Chauvet pour son engagement sans faille, son efficacité et sa discrétion. Je suis reconnaissante envers les autres associations de Shanghai, les acteurs de la communauté française.
consulaire, Gwenola Pipé, Romain, Guillaume, la CCI, les chefs d'îlot, Shanghai Accueil, le consulat et tant d'autres que je ne peux pas citer aujourd'hui. Nous avons tissé des liens solides. Les difficultés nous ont rapprochés encore plus. Je remercie vivement les conseillers consulaires de nous avoir conviés ce soir et de votre soutien tout au long de ces moments. Bravo. Bonsoir à tous, Monsieur le Consul Général de France à Shanghai, Jean-Luc Bayado, Julie Poignant, chef chancelière, pardon, et les conseillers des Français et des étrangers. Bonsoir à tous. On est ravis ce soir avec l'équipe, il y en a une partie, on a dû faire des concessions, d'être présents pour la remise de cette belle récompense. La Marianne, avant tout, ça a déjà été cité, mais. Trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, et pendant le confinement, et même depuis Covid en 2020, l'entraide, une des valeurs fortes de l'UFE, et ce qui nous a motivés tous à aller de l'avant, soutenir et faire des actions pour notre communauté à l'UFE, mais également de s'associer avec toutes les parties prenantes, la CCI, le consulat, les autres associations. On peut parler par exemple du recensement qui a été fait sous l'impulsion d'Alexandra Tolin, qui était responsable de nos pôles d'entraide à l'époque et également conseillère des Français à l'étranger, qui a lancé l'idée de faire ce recensement. Le recensement, c'est avant tout un gros projet. C'était 36 bénévoles qui sont réunis et sont investis pendant le confinement pour appeler 300 personnes. C'était pour comprendre les besoins. Il y a 600 personnes qui avaient répondu, 300 ont été recontactées. On a monté avec les autres associations une cellule de thérapeutes. J'en profite pour remercier Sabine Menon qui est partie ce matin de Shanghai mais qui a énormément contribué. Également Abiba qui était dans la cellule de thérapeutes et a contacté les personnes, a proposé des sessions gratuites pour soutenir psychologiquement. C'était également des soutiens financiers avec notre fonds de solidarité qu'on a créé. On a eu des donateurs, mais on a aussi des fonds qui proviennent des bénéfices de nos événements. Ces personnes-là ont pu bénéficier du soutien. Et également d'autres actions qui ont été menées, comme le marché de Noël qui a ensuite été reporté. L'objectif, c'était de terminer sur une bonne note avec la réouverture après Covid. On a réussi à faire une belle fête du printemps qui a réuni tout le monde, toutes les associations, également les entrepreneurs, 700 personnes à la Villa Bassin avec l'accueil de Monsieur le Consul. Et enfin, une belle équipe, j'ai à côté de moi depuis 2 ans. C'est une équipe qui a regrandi à nouveau, plus de 19 personnes bénévoles qui ont toujours été à mes côtés. Toujours à mes côtés, qui ont toujours suivi mes décisions pour le bien de notre communauté. Donc, on envoie des bénéfices, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a pris des risques qui ont été payants, on a eu des quarantaines, ce qui m'a permis aussi de devenir ami avec Pierre, et que je remercie pour avoir envoyé 2 semaines en confinement. Après, on a tous des anecdotes. Moi, par exemple, j'avais déménagé le 1er avril, j'avais plus rien dans le congé, plus rien dans le frigo, et coup de chance, ça a été le confinement, et il n'y avait plus rien. Mais bon, on a tous survécu, on a tourné la page, et maintenant, on avance pour faire encore des belles choses tous ensemble. Merci encore.